Mesdames et messieurs, bon c'est Béfa, on se retrouve pour le nouveau Brawl Stars. Aujourd'hui, la vidéo casier, ça fait hyper longtemps, les gars, qu'on n'a pas vu tous les skins que j'ai, tout ce que j'ai acheté dans le jeu, etc. Et on va encore peut-être dépenser même, parce qu'il y a de la gemme et il y a du blings. Donc code créateur BFA dans la boutique pour récupérer un petit bout de ce qu'on dépense. Et si vous le faites aussi, envoyez-moi la vidéo de ce que vous achetez. Voilà, bfapacartel.com, mail en description. Et je vous mets dans les intros très très souvent. Toutes les semaines, il y a plusieurs vidéos où on vous voit. Donc voilà, ils sont contents. Voilà, j'ai envie de dire, parce que à 20 000 pouces bleus, c'est énorme, hein, je sais, mais à 20 000 pouces bleus, on ouvre un petit compte. Et à chaque fois, dans ce petit compte-là, dès qu'on verra des trucs dans le shop, on achète. Tac, tac, tac. Toutes les promos, machin, tac, tac, tac. Ça peut être cher, hein. Ça peut être des trucs en argent, ça peut être des trucs en or. Voilà. Là, par exemple, on a du beau frelon à 5000 et on a du Daryl pneumatique. Moi, ce que je propose, c'est qu'on aille tout de suite dans le catalogue et on va se positionner par brawler. Voilà. Ah, il a mis. Alors, on va sur Dynamic ? Ok. Donc là, vous avez direct. Ah, on voit tout comme ça, là. Allez, on va voir comme ça. On va faire comme ça, on va regarder. Donc, on n'a pas le Dynamic argent. Et on voit ce qu'on n'a pas, mais on voit ce qu'on a. Et on a, bon, alors celui-là, facile à avoir. Celui-là, c'était un Dynamic de saison. Bon, je sais plus quelle saison, mais en tout cas, c'était une saison de Brawl Pass. Ça, ça devient rare, hein, les gars, parce que ça, c'était truc. Les ligues sud-américaines là, et du coup celui-là et celui-là c'était des variantes, il y en avait beaucoup acheté. Celui-là c'est un des premiers skins qu'il y a eu sur Dynamic, très beau, Mike Corset, c'est pour ça que je l'ai mis là, ça me fait plaisir. Là pareil, c'est les équipes en question là. Celui-là était dans le shop de magasin de club, donc celui-là je pense que vous pouvez encore l'acheter en vrai tranquille, hein, il me semble. Hein. PSG, je pense qu'il est achetable, voilà. Celui-là il est récent, voilà, il est très beau mais très récent. Celui-là beaucoup plus rare parce qu'apparemment il n'est pas revenu à chaque saison des fêtes de fin d'année. Ils reviennent et celui-là n'est pas revenu, excusez-moi, c'est le coca, hein, bon voilà, sponsorisé par contre, non, pas du tout. Dynamic, un des plus chers, voilà, qui a beaucoup d'effets, vous avez vu la panoplie de trucs qu'il a, voilà. Et au niveau des emotes, il nous manque ça les gars. Alors est-ce qu'on dépense là-dedans? Regardez en plus au niveau des on a ça aussi, hein. On a aussi des trucs là. Voilà, il nous manque pas grand chose. Celui-là il fait pas triper, hein. C'est pas le genre de truc que j'utilise. Mais celui-là il peut être drôle à utiliser les gars. Voilà, on se le met de côté, on continue avec Shelly. Shelly classique, Shelly princesse, sympathique. Voilà, les équipes américaines pareil, elle a été concernée. On va aller voir, donc il y en a un là. Ensuite l'argenté on l'avait, je sais pas pourquoi. On a dû perdre un défi, j'ai dû acheter l'argenté. La dorée je l'ai pas par contre. Shelly qui est très forte en ce moment. Voilà, Boca Juniors, voilà, c'est une des équipes. La PSG, bon c'est la plus sympa à avoir en termes de foot. Ça c'était en gratos. Ça c'était en Halloween. Un des premiers Halloween du jeu je crois il me semble. Et ça c'était à la sortie globale du jeu. Voilà. Donc il devient rare aussi puisque il faut être un ancien joueur. Et ça aussi c'est un peu rare. Voilà. Et au niveau des émotes, on a tout les gars. Donc on va rien acheter. Donc on a voilà, on a tout ça. On a fait les défis, donc on est bien. On continue avec Colt. Colt très intéressant parce que bon, Colt, voilà, c'est pareil, un ancien brawler mais qui a beaucoup de skins. Donc on va regarder ce qu'on a. Le Impérial, je crois qu'il revient de temps en temps. Le argent, on l'a pas acheté. Les équipes de foot, les voici, il y a celui-là, 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 je les ai fait dans l'ordre de ce que je vois les équipes, hein. Celui-là aussi, non c'est pas celui-là pardon, ah j'ai des bêtises, c'était celui-là pardon, voilà, je sais pas lequel vous préférez en termes d'équipe de foot, le braqueur est pas cher et pas mal du tout, en termes de rareté, alors on a, attendez ça on les a vus, donc on a le banana très récent, voilà, que je vous ai fait gagner sur TikTok, la plupart des concours sont sur TikTok. Le en description pour ceux qui veulent pour les prochains concours. Celui-là est extrêmement rare, il était avec de l'argent. Voilà, 5,39 à l'époque il me semble, ou 5 quelque chose. Du coup c'est un des plus rares, peut-être même le plus rare de tous les skins du jeu, c'est possible, hein, parce que voilà. Bah, en tout cas il est dans le top list de la rareté. Équipe de foot, le corsaire, le requin. Colt d'Andre requin, voilà, celui-là vous l'avez en gratuit donc il est pas rare. Ça on a vu ouais, Colt Rocker vite fait, ça c'est les trucs, voilà. Et au niveau, donc du coup j'ai acheté celui-là, hein. Ah, je l'ai acheté parce qu'on a craqué. Il nous manque celui-là, mais comme je vous dis, et peut-être ça vaudrait le coup d'avoir un petit spray de banana, un truc. On verra, le chauve il est marrant. Ok, on enchaîne. Vous avez vu qu'on a quand même beaucoup de choses, hein. Boule, celui-là, que je suis pas ultra fan, mais voilà, bon c'est quand même un skin de boule. Le boule de l'espace est quand même très correct avec le boule lion. Pas une grande rareté. Celui-là, si vous avez football américain, celui-là est le plus beau je pense. Pour l'instant, boule mania. Ou alors si vous voulez un truc complètement différent, vous avez celui-là, mais là faut aimer le trip. Hein. Clairement faut aimer le trip. On a celui du roi des barbares.
voilà, pour la fête des... Combien d'années de... Bon, c'est un anniversaire, hein. C'est sûr, c'est un anniversaire. Vu le Viking, on va pas fou. Et là, voilà, donc on verra. Ça, non, je suis pas assez... Je suis pas... Voilà, je... Voilà, il y a ça qui me va. Donc en général, je joue des fois celui-là, moi, parce qu'il est un peu chelou. Ok, on enchaîne. On a du Brock. Avec du Brock, Danse de Lyon. Le Danse, le Mia. Donc Danse de Lyon, il commence à être rare. Hein. En vrai, c'est vrai qu'un petit doré serait pas mal. Hein. Petit doré serait pas mal. Moi, j'attends beaucoup celui de l'Olympe, qui est pas encore sorti, mais qu'on va l'acheter direct, je pense. Et j'aime beaucoup celui-là qui a été gratuit pour ceux qui ont réussi le défi. Là, peut-être, j'hésite à peut-être acheter celui-là parce que je joue beaucoup Brock, j'aime beaucoup ce brawler. Donc voilà, on verra. Ricochet, j'aime un peu moins comme brawler, mais voilà, il a son style. Hein. Voilà, donc Ricochet, celui de la saison des insectes, le Ricochet du guet, même en argent. Le doré, on l'a pas. Le popcorn, on l'a. Le Ricoc, et là. Voilà, il y a celui-là. Hein. C'est des... De toute façon, c'est les épiques, hein, les meilleurs. Hein. Celui-là, la goutte, machin. Et ça, ouais, pas fou, ça. Pas fou, hein, faut pas se le cacher. Ok, on enchaîne avec Spike. C'est pas dans l'ordre des brawlers de je sais pas quoi. Hein. 21 sur 23, les gars. Donc, il nous manque les... Non, bah c'est bizarre. Hein. On va regarder. Il nous manque pas des skins, c'est pas possible. Regardez, là, on a ça. On a l'argenté. On a la bûche. On a le masque. Qui est un skin pas mal parce qu'il change tout seul. Il est pas très cher. Mais je joue jamais. Je joue jamais. Je joue le doré. Le cascadeur, j'aime beaucoup. Le robot, ça fait longtemps que je l'ai pas joué. Pourtant, il est bien. Sakura, bah, c'est un ancien. Et là, le super vilain qui est une masterclass, hein, n'est-ce pas? Et là, on a tout bien. Hein. Alors, voilà, il doit nous manquer un... Ah si, il nous manque ça. Il nous manque ça et ça. Ok, c'est les deux trucs qui nous manquent sur Spike. Bon, voilà, c'est pas... On l'aura quand on voudra, donc je suis pas inquiet. Le bar tabac en licorne, en or, en maître kung-fu doré, on l'a pas. Le petit sirop d'érable, le magicien bleu, magicien rouge, écarlate. Et la tarte à thym. Voilà, et il nous manque, ben voilà, ah celui-là il peut être, non, celui-là non, il est normal. Non, voilà, les emotes, il a peut-être la bouteille au sol, ouais, vite fait, c'est pas des dingueries ça. Ok, Jesse, la refonte est quand même pas mal, santé les gars, santé, la refonte est pas mal. Chevalier pan dragon, non, chevalier dragon rouge, pardon, en dragon c'est pas celui-là. Estival, doré on n'a pas, ça mériterait, voilà, le pan dragon il est là. Donc on, du coup on a voilà du coup maintenant on, je l'avais acheté avant hein, mais avec les points stars mais voilà maintenant avec les blings ça peut être plus facile. Ok mignon celui-là elle frotte son truc mais voilà et là ça aussi ça pourrait être pas mal. Ça aussi ça pourrait être pas mal. Voilà, ok Nita j'en ai pas mal. On a l'argenté, on a le nez rouge, celui qui change de couleur, très, très bon skin celui-là en vrai. Hein. Skin de Brawl Pass pas très assez récent donc encore pas ultra rare mais il va prendre de la valeur avec le temps. Les dorés, le panda, le Shiba, celui qui était un Super Cell Mec, hein, tous ces Master Class et Super Cell Mec, ça on est d'accord. Voilà, il nous manque une patte, sinon sur le reste, vous avez vu, on est 22 sur 23, donc on est quand même pas mal. On enchaîne avec El Primo, 28 sur 31, donc il doit peut-être nous manquer deux pins, je pense. Parce que là, on a l'Atomico, on a le Brawn. On a encore rien à acheter là. Enfin, en termes de skin, on a vu qu'on n'a pas eu grand chose à acheter. Je vous montre tout vite fait là, mais ils sont énormes. Hein. Enfin, celui-là est très bien, celui-là c'est très très bien. Celui-là, non, il prend de la valeur. Celui-là, Brawl Pass récent. Le Tiger est quand même lourd. El Cray, voilà. Et du coup, le point, il nous manque un point. Et il nous manque deux émotes, donc ça fait 20. Il nous manque plusieurs trucs, il manque trois trucs, c'est ça. Le point pourrait être sympa. Celui-là, il est bon aussi. Hein. Celui-là, il est bon aussi. Hein. On va stater, on va voir. Du coup en Mortis ça nous donne le chapeau, le mecha, très très beau les mechas, du coup on a toutes les variantes hein. Doré, noir, machin. Ça je me fais battre à chaque fois sur des battles de skins des gens qui me mettent ça. Là ça je peux répondre, voilà j'ai du répondant, Mortis truand, tout ça. Et au niveau des... Ah il est stylé celui-là. Je suis pas un joueur de Mortis mais je pense que dès que je vais commencer un peu à jouer Mortis, je pense que celui-là je le prends direct parce que c'est la base, hein. Je pense que c'est le meilleur des pins et très très bon masterclass celui-là. Ok, Korbach, on a 23 sur 25, pareil. Mais bon, hein. On a du capitaine, du argent massif, on a le doré aussi, hein, vous inquiétez pas, on a le blanc, on a le phénix, un des plus anciens. On a le doré, voilà. Et on a les trucs, donc on avait tous. En plus, on avait acheté, je crois, en 50 000 points star, hein, on l'a payé cher. Hein. Ça valait pas le coup, du coup, maintenant, vu le truc. Enfin, vu avec les blings et les trucs, comment ça coûte après. Il y a des affaires après et des affaires avant, ça dépend. Ok, et bon, vous avez vu celui-là, là, on s'en fout. Hein. Celui-là, peut-être. Ouais, vite fait. Ouais, vite fait. Il est pas aussi bien que celui de Mortis. Poco.
Ok, Desperado, Rocker, le... celui-là on l'a, tac. Ça aussi, ça c'est pas mal. Voilà, ça m'a pas fait transcender, donc il y a rien que... Non, on passe Poco. Poco, on a beaucoup de choses, donc... alors le frelon. Est-ce qu'on achète le frelon? Non. J'ai pas envie de mettre des blings dans le frelon pour l'instant. Parce que quand je joue Poco, je joue toujours celui-là ou alors au russe. Voilà. Après, Perléon, là, celui-là, c'était un truc. Là, par contre, là, ce qu'on pourrait faire... Ouais, allez, vas-y, ça peut passer direct. On complète la collection, histoire d'avoir le doré direct, les gars. Ça y est, au moins, on a le doré. Quand on joue Mecha, on joue le doré. Voilà, en plus, il y a le pins qui va avec. Ah, ça, c'est fait. Voilà, celui-là, mignon. Mignon, voilà, pas transcendant, mais mignon. Les polis... on a l'argenté, on a la calavera, on a la choco, on a poly en rose, poly lunaire, mariposa. Ah bah, dernièrement, j'ai tryhardé les coupes stars, hein, vous avez vu, je les ai tous achetés les derniers. Et c'est dommage que j'ai pas fait ça avant parce que du coup, il y en a des très rares maintenant qui sont plus disponibles. Hein. Alors, on a la grenade en plus, donc on est pas mal. Il pourrait avoir un petit coup de parapluie, peut-être, ça pourrait avoir le coup. J'aime beaucoup poly, donc ça pourrait le faire. Ok. Pam, 13 sur 17, il nous manque des choses. On a voilà, la Queen, The Castle, on a en pyjama, en maillot de bain et le truc. Et là, celui-là, on l'a déjà. Je me rappelle pas que je l'avais, j'ai dû l'avoir dans un... Je l'ai pas acheté direct. Ça, il est intéressant, celui-là. Il a une couleur bizarre, on sait pas, c'est un peu mystérieux. Je suis sûr qu'on met ça sur le sol, des gens ils savent pas. Ça peut être sympa. L'Atara argenté, est-ce qu'on passe sur Atara Druff? C'est quand même 25 000 hein, les gars, j'ai pas fini de maxer mes brawlers P11 donc voilà. Tara parcours, Tara rageuse, Tara sultane, Tara turquoise. Et en les pins, vous avez vu, on a ce qu'il faut hein. Il nous manque la carte ici, mais on a les trois couteaux qui sont mieux donc ça va en vrai. En vrai ça va, Darin, la question qui va se poser c'est est-ce qu'on va claquer le pneumatique ou pas. On va le claquer les gars. Allez c'est parti, c'est claqué. C'est claqué, le Daryl pneumatique, comme ça il a un truc, de temps en temps je pourrais le jouer, c'est un truc de coupe star, bon il est pas ultra rare maintenant parce que voilà on peut le récupérer, mais pour mon cas, et mais bon voilà parce que je joue que le cupcake que j'aime bien, et en vrai voilà, cupcake maintenant je pourrais peut-être de temps en temps varier avec le petit pneu, le ballon de fou je l'aime pas trop, la méga boîte, ou l'eau méga boîte tout le monde l'a, voilà, le sushi on l'a trop vu, le R2-D2 ou D4 R machin, voilà, pas emballé quoi, vous avez compris, c'est pour ça il me fallait quelque chose, Penny, lapin rose, alors voilà, pareil, je pense qu'on y va les gars, et 29 gemmes, ça y est, on complète la collection, on a le dark, au moins je perdrai pas contre ça en battle, voilà, ça c'est fait, ça passe, ça complète la collection, l'argenté reste là, contrebandière, très bon hein, coupe star, hein. Très bon, celui-là aussi très bon, celui-là rare hein, aussi, vent d'hiver hein, les gars, donc, et là en pins, ah pas mal, ok, on va stater, hein. Francky, on a des belles choses, Francky. On a le DJ qui est pas mal. On a l'argenté, vite fait. On a celui-là qui est hein, le plus beau, hein, on est d'accord. Hein. Mais récent, donc pas rare. Voilà, beau sapin, etc. Et là, celui-là, franchement, il est stylé. Voilà, ce petit pins ici, il est très stylé. Et là, non, sans plus, ça irait bien avec Morty, je trouve. On enchaîne avec un petit jean des familles. Allez. Jean Marais très bon, Jean du Mal le top, le pirate, et là moi je l'avais eu déjà depuis longtemps celui-là mais qui était très bien, je trouve qu'il est plus qu'un rare, hein. Il mérite d'être un... Enfin il est commun, vous avez vu, c'est un commun extraordinaire. Ah celui-là il est stylé. Ah ouais celui-là il est stylé aussi. Hein. Ah la petite lampe aussi est stylée. Ah il y a des belles choses, hein. Jean on va peut-être revenir dessus. Hein. Tic, le crabe, le bonhomme de neige, le machin nanani, Chouki là, Chouki, et là, non, ça c'est pas une dinguerie. Et là on a les trucs en bas là, vous avez vu, hein. On a tout ça là, c'est pas mal, hein. C'est quel mieux. En vrai, il faudrait que je pète sur celui-là. Je pourrais voir ma config, mais on va se pète sur celui-là. Léon, alors, argenté, le nouveau, pas cher, hein, pas cher, donc on a pris, hein. Celui-là il est au-dessus. Celui-là, est-ce qu'il est au-dessus? Ouais, aussi il est au-dessus. Celui-là, pourquoi pas? Il est jaune, pas forcément au-dessus, ça change. Le 11 squall est beau, le Lungaro pas mal. Et là, on a. Ok, invisible. Oh, stylé celui-là, très stylé. Ça, c'est pas mal par terre, par contre. Ça, c'est pas mal. Ok, on enchaîne. Rosa, Major, Rosa Coco, Rosa Halloween, Rosa religieuse, Mante religieuse.
religieuse, menthe religieuse, ouais c'est ça. Les coups de poing un peu à la stylé ça, stylé à la primo. Il nous manque pas mal de trucs là, il nous manque 3 là. Bon, le cœur je m'en fous, ça peut être pas mal. Vite fait, on enchaîne car on a quand même pas mal de choses les gars. On a pris le dark, on a le cochon, le fou du volant, le nouveau gobelin, pas bien hein, franchement. Hein. Pour le truc, Leonardo, ça c'est un brawl pass, le sultan très au-dessus, hein, avec petit tapis volant et tout. Et là, voilà, il nous manque ça, il nous manque peut-être la lune, mais ça me fait penser un peu à Emery, hein. Je sais pas si vous vous trouvez comme moi. Ok, on enchaîne, Billy chewing gum. En vrai, elle est pas si mal que ça, hein. Je l'ai un peu sous côté, je trouve, avant pour du 29ème, je trouve qu'elle est vraiment pas si mal que ça. Comparé à ça, qui était plus cher, il me semble, et qui est pas forcément 10 fois mieux, quoi. Celui qui sort du lot, c'est celui-là. Voilà, faut aimer le délire, hein, encore une fois. Et la zombie. Hein. La zombie, pour moi, c'est le top. C'est le ce qu'il y a de mieux en termes de Billy. On enchaîne. Arcade, Game Boy, Super Samplon, le Samplon 98. Arcade Virus. Apparemment, je crois qu'il a pris de la rareté, parce que je crois qu'il est pas revenu au Nouvel An Lumière, il me semble-t-il. Et c'est quand même un skin très lourd. Très cher aussi. On a Emery, donc voilà. Alors Emery, je voulais voir en termes de... Voilà, j'ai le sac. Ah, c'est les mêmes, hein, quasiment, les gars. Ils sont pas foulés là-dessus. Voilà, on a ça. Moi, j'aime bien jouer celui-là, clairement. Ou alors celui-là. Voilà, deux très beaux. Et là, je le joue plus, celui-là. Et celui-là, laisse tomber, quoi. C'est une couleur qui change, on n'en veut pas. B.A. On va jouer la coccinelle, on la joue plus non plus, mais ceux qui sont pauvres, entre guillemets, c'est un bon petit skin quand même qui fait la diff, hein. Tout de suite, t'as ça, tu passes bien avec ça. La Neko, du coup, je joue la Golden, hein, parce que voilà, bling, machin. Sinon, je vais jouer, même pas la Scarra, je vais jouer, je pense, Neko Golden, ou alors celle-là, super vilaine, j'adore, ça fait un style noir et blanc, trop stylé. Voilà, et il nous manquerait un petit miel ici, et sinon, vous avez vu sur les pins, on a tout, hein, donc on va pas se plaindre. On enchaîne un peu vite, hop, Ems. La meilleure Ems, peut-être la deuxième meilleure Ems pour moi ici, la troisième là, et on a un petit argenté, et ça vraiment dernier ici, et là on a ceci qui est pas mal, hein, ça fait l'ambiance mortuaire. Là j'aime beaucoup le brawler, mais il manque un peu de buff, hein, clairement. Donc agent, pangolin, très jouable, monsieur mouche très jouable, monsieur daruma très jouable, non vraiment nickel, il y a 3 skins qui sont très jouables, et là... Petit bonhomme à droite à gauche, ça pourrait être marrant, je pourrais être dans le délire. Et j'ai celui-là qui est quand même bien, même qui est au-dessus de l'autre. Donc je suis bien en termes de spray, en termes de max. On a Connie qui est très bon, celui-là non, celui-là oui. La panthère, la léopard et la panthère, les gars, les deux trop stylés. Hein. Les deux trop stylés, donc on a pris forcément les deux, hein, parce que la petite extension était pas si chère que ça. Ça, le M vaudrait le coup quand même. Celui-là aussi pas mal. Hein. Les deux sprays là sont quand même pas mal. La griffe aussi est très belle. Hein. Peut-être pas mal ça à mettre en accompagnement d'un deuxième icône sur son profil. On enchaîne avec Jackie PTP. L'effet de Léon là, tac. Je joue celle-là. En fait, je joue ça. En fait, ces trois-là, ils sont trop bien. Celui-là, il y a des effets. En fait, les effets visuels de l'ulti, très bien. Celui-là, l'effet tout court est top. Celui-là aussi, les effets du. Enfin, celui-là, il est marrant, quoi. Voilà. Donc, en fait, ça joue sur ces trois-là. Et derrière, on a ça, hein, quand même. Hein. Donc, ça, c'est pas mal. Hein. Voilà. On a ça et on a ça. Donc, on a l'habillement. On a Gaël qui devient rare au niveau de celui-là, parce que c'était le premier. Premier brawl pass, donc très rare ce skin maintenant également, donc on peut le jouer maintenant, il est bien rare. Mais sinon on a casse-noisette qui est quand même lourd, hein. Voilà, qui est plus lourd je trouve en termes de trucs. Et moi j'aime bien les trucs d'Halloween, donc en vrai celui-là aussi. Donc mon cœur balance, je joue sur tout ça moi, je tourne sur les trois, on a un petit peu très sympathique et on a tous les pins les gars, donc on est ok. Nani, la cloche. Moi je le trouve bien, j'ai entendu des critiques mais je le trouve bien. Par rapport à tous les autres, franchement il change, il est un peu rose et tout, ça fait un style, voilà. Ouais, il faudrait mettre un petit cœur là et puis on serait pas mal, on a ça en plus, le petit œuf, voilà. Wally, pas mal de choses, donc on peut jouer celui-là qui est quand même qui plane comme ça au-dessus, on peut jouer la monstre plante. Un petit vert plutôt que le rouge, moi je joue plus le vert que le rouge, voilà, donc émeraude plutôt que ruby, et sinon tropical hein, pour l'été, on va pouvoir le ressortir. Au niveau du pins, peut-être ça, voilà, ça il est quand même... Bon, il est propre celui-là, celui-là il mériterait. Ensuite, Serge, je suis pas encore satisfait les gars, en vrai, voilà, vite fait, paladin un peu, voilà, ouais, un peu le paladin, mais...
Il me manque un skin de Surge, les gars. Il me manque un truc sympathique. Il faudrait qu'il sorte sur Surge. On a ici la Colette Galactica. La Gladiatrice, pardon. Gladiatrice est magnifique. Bon, pour moi, la maléfique est toujours au-dessus, hein, que je vous dise. Et puis sur le reste, il nous faudrait la petite étographe ici. Et puis on est pas mal, hein. On est pas mal. Ambre de la Vega qui perd un peu contre Ambre. Mais après, c'est force du feu contre force de la glace. Mais bon, celui-là, il est quand même totalement incroyable. Le petit Pins aussi qui est animé maintenant. Donc, qu'est-ce que je vous dise. Il est très lourd. Il nous faudrait ça, peut-être. Voilà. Il nous faudrait ça, peut-être. Lou, dans l'esprit glacé. On a le burger, je joue le burger ou je joue le doux, voilà. Je joue plus trop le roi, bien qu'il est bien, mais c'est un skin de Brawl Pass, donc il commence à prendre un peu de valeur, donc c'est pas mal. Byron, je vais jouer celui-là, hein, vous avez compris, hein, c'est le seul que j'ai, donc voilà, il nous faudrait ça. Et puis celui-là est très beau aussi, hein. Ce pin c'est très beau, il faudrait peut-être l'acheter, mais comme Byron est un peu claqué en ce moment, donc je joue pas. Donc voilà. En Edgar, je vais jouer plutôt ça. Ou alors Tata Ginette. Voilà, Tata Ginette en premier, ensuite le docteur. Et c'est vrai que celui-là, je trouve pas mal en vrai pour 29. Voilà, puis après, il y a celui-là qui est lourd. Celui-là. Bon, en vrai, les gars, il y a du lourd, donc celui-là, il est un peu derrière. Quoi. Donc voilà, tout dépend ce que vous avez. Et le. Pas mal. Celui-là, il mériterait d'être là. On a les deux points. Voilà. Colonel Médor, je joue. Voilà, le chimie. Le chimie est carrément bien, le Ronin est pas mal et Médor Shérif, je commence à moins l'aimer, voilà, je perds un peu de valeur, j'ai le petit pistolet. Voilà quoi, tout, moi ça va être sur le Halloween. Blanc et rouge, non. Persécuteur, oui, pourquoi pas. Voilà. Donc si je me lâche, ça va être entre ces deux-là. Et on a quand même, voilà, on a quand même les petits briquets là qui est stylé. Et puis on n'a pas ça. Donc il nous faudrait ça. Ensuite, Belle, on va pouvoir jouer la corail. Purée, j'ai tous les skins, j'ai tous les émotes. Hein. Celui-là, il est stylé. Hein. On dirait un peu un Dynamite, trouvez pas, non? On dirait une barbe de Dynamite. Squeak, j'aimerais un autre skin encore. Ils sont mignons, mais vite fait, quoi. Celui-là est bien, mais voilà. Monsieur Patate, je l'ai, mais contre-cœur, je l'ai acheté, hein, les gars. Il n'a aucun sens. Hein. Mais bon, voilà. Petit Nonos. Voilà, il faudrait peut-être acheter ça aussi. Voilà, la clé pas balle. Voilà. Grom, Franken Grom au-dessus. Et ensuite, voilà, la Pinou. Mais il y a trop de la Pinou, les gars. Trop de la Pinou. Oh, pas mal celui-là. Hein. Purée, celui-là est pas mal. Hein. Et ça aussi, c'est mignon. Ok. Il y en a des mieux que d'autres, hein, quand même, clairement. Le Godzilla ici, pour moi, ça va être Buzzette. Mais je pense que celui qui est cinématographique, là, il est le mieux. Il est pas là parce que c'était un Coupstar que je n'ai pas eu. Et je pense que si vous l'avez, c'est le meilleur des Buzz. Ensuite, en Griffe. Il est pas dégueu, le Griffe traîneau. Et le Griffe record, il a des effets. Il a pas allumé. Voilà, on voit les petits lapins, la battle là. C'est quand même stylé, hein. Voilà. Et la petite pièce d'or est pas mal. Il y aura du bling bling, donc ça doit bien clignoter. En H, on a le Krampouche qui est pas dégueulasse. On a celui-là qui est très lourd. Et on a celui-là qui est très lourd aussi. Donc on a deux très lourds qui, pour le coup, sont parmi la gratuité. Puisque entre Coupstar et Magasin de Club. Voilà, vous aviez du très lourd. Meg, on s'est fait le bah voilà, hein, le récent, hein, c'est celui-là, un beau gosse Meg. On a celui-là qui est pas dégueulasse, celui-là aussi, donc on est bien, hein. En vrai en Meg on est très très bien, hein. On a tous les emotes et tout, on est bien, voilà, on est bien en Meg. En Lola, on a Galactrice, la Kitsune, stylée, et Rebelle, donc pareil, on est très bien. Voilà, Rebelle un peu moins, mais au niveau des pins, vous avez vu... Il manque un spray ici et là aussi. Et puis les pins, on a tout. Fang. Fang, le curieux. Et le poulpe. Donc le furieux. Le curieux. Le furieux, les gars. Le furieux. Moi, le furieux au-dessus. Et celui-là, voilà. Donc, et puis il prend de la valeur, comme je dis, c'est un petit truc. Et là, on n'a pas ça. Donc voilà. Eve Biker, les potes. Hein. Clairement. Bah, puisque l'autre, entre ça et ça, je sais pas, ça embrouille un peu. On sait pas lequel est le skin de base, donc non. Jeannette, G-Force, ok. Jeannette Popstar, Jeannette Valkyrie, voilà, on est bien. Donc c'est pas mal. Bonnie, j'aime pas trop le brawler, donc bon voilà, j'ai le skin, donc j'achèterai... Ah, quoi qu'il est pas mal. Et on a ça, purée, je l'ai jamais placé encore. C'est fou, il est bien, mais je l'ai jamais placé. Là, j'aime préfère Otis. Donc, Pharah Otis, j'aime beaucoup. Très bon skin de saison. Et celui-là, le clan Ayakashi, qui passe bien. Et puis, on a tout là derrière. On est pas mal à part ça. L'étoile, on s'en fout. On a l'étoile méchante, donc c'est bien. Sam, on a en Yeti qui est vraiment au-dessus. Le César est pas dégueulasse. Et le bisounours, nounours, voilà. Il passe, il passe. Ça on l'a pas, donc ça pourrait être pas mal. Et puis tous les autres pins, on est quand même pas mal. On a des coups de points, donc c'est important.
C'est important de les avoir. Le Gus, les gars. Doré, doré stylé. Celui-là, il est beau. Gus, champion du monde, les gars, il est beau. Oh, pas mal. Oh, celui-là, il est stylé, en vrai. Celui-là, il est grave stylé. Il est 39 gemmes, il est pas donné. Hein. Celui-là aussi, pas mal. Hein. Oh, purée. Ça donne envie. Hein. Chou Gus, je pense, je les achète direct. Prochain truc, Chou Gus. On fait ça. Crocodile Dundee, il est cool. Hein. Même pas eu le temps de le tester, je crois. Voilà. Oh, pas mal celui-là. Celui-là, pas mal. Tag commun là pour Buster. Buster, sinon, on n'a rien d'autre. Hein. Voilà. Skin de saison, non. Pas fou. Pareil, celui-là, pas mal. C'était pas cher. Ouais, entre ça et ça, pour 29 gemmes, ça valait le coup. Quoi. Après, voilà. Il n'y a pas grand-chose en Chester. Donc, on a à peu près ce qu'il faut. Là on a le détective, pas lequel préféré, noir et blanc. En vrai je préfère les couleurs je crois souvent maintenant. Mais le noir et blanc il est censé faire un style mais qui représente moins bien que le style de BA Super Vilaine. Je sais pas ce que vous en pensez. Et là peut-être faudrait taper. Ah non il est pas fou. Il est pas fou. Le doigt peut-être. Le doigt est peut-être pas mal. Mandy. Mandy Magma extraordinaire. Mandy MC et le reste. On a tous les gars. Hein. On a tout là-dessus, on est pas mal. RT Police est beau, RT Poupre est très beau aussi. On a ça, on a tout. 14 sur 14, c'est validé. La Willow, il nous faut... Oh, non, ça, c'est vite fait. Hein. C'est très vite pour patienter. Et il nous manque, hein. Il nous manque des pins. Voilà, mais bon. Maisie, alors Maisie, voilà, on finit le Brawl Pass et puis on va débloquer tout ça, les gars. Donc ça arrive bientôt, là, c'est parti. Hein, il nous reste 10 paliers, je vous en parle. Et on a fait le tour, les gars. Du coup, sur le catalogue, il nous reste le Frelon qu'on n'a pas. On s'est pas payé le Frelon, les gars. On se le paye, allez, c'est parti, on se paye le Frelon, les gars. Allez, à 129 ou en 5000 bling. Allez, on se pète des bling, les gars. On s'est pété 5000 bling sur le Frelon. Voilà, comme ça, on pourra le jouer aussi de temps en temps. Complète la collection avec le petit mode. J'espère que la vidéo vous aura plu. À la prochaine, ciao, ciao.